Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. La dernière vidéo, je vous ai présenté une petite carte de vœux créée avec des pochoirs. Alors, je vous rappelle que mes pochoirs, moi je les fais du papier fenêtre, comme ceci. On voit bien. Voilà, sur du papier fenêtre. Et ça, ils sont réutilisables. Donc, cette fois-ci, on va travailler sur du noir. Donc, je vous montre ma carte avec mes petites boules de Noël. Fait cette fois-ci avec du noir, de l'embossage à chaud. Alors, je ne vais pas vous le faire, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, on va prendre, par exemple, la grosse. J'en ai fait aussi une très très grosse. Voilà, ça brille un peu. Alors, il vous faut les petits pochoirs. Il vous faut du blanc. Il vous faut la petite brosse. Il vous faut du bleu nuit. La Vésamarque. La petite poudre antistatique. Ça. Il vous faut de la poudre embossée or et surtout votre pistolet chauffant. Alors, je ne vous la fais pas parce que vous allez devoir attendre que ça sèche entre deux couches. Donc vous allez faire une par une votre... Hop. Alors vous allez déjà mettre bien positionné. Vous allez déjà attaquer à faire votre fond blanc. Vous allez la faire sécher avec votre pistolet embossage parce que le blanc a une certaine tendance à sécher plus lentement. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez nettoyer votre pochoir. Moi, je passe un petit coup de lingette. Vous allez à nouveau, une fois que c'est sec le blanc, à nouveau repositionner votre pochoir. Prendre hop, votre petite brosse et vous allez vous amuser à faire du bleu foncé mais vraiment sur un côté comme je vous ai dit la dernière fois. Une fois que vous avez fait le bleu, vous allez devoir enlever votre pochoir, refaire sécher avec votre pistolet chauffant. Pour que ça soit bien bien sec. Vous ferez pareil pour les deux autres petites boules. Une fois que vous avez fait bien sécher, vous repositionnez votre pochoir et vous allez prendre votre petit tampon. Moi j'ai utilisé le set de tampons Chrisma et j'ai utilisé juste les petites étoiles là. Pour la grande, j'ai utilisé le flocon parce qu'elle est un tout petit peu plus grande que celle-ci. Là, vous allez tamponner d'une façon aléatoire vos petites étoiles avec la Vésamarque. Vous enlevez votre pochoir. Cette fois-ci, vous allez mettre votre poudre à embosser. Vous allez bien enlever et vous allez faire chauffer votre poudre à embosser. Et vous faites ça sur vos trois boules. Alors, comme vous voyez, là on voit bien qu'il y a eu le bleu qui est beaucoup plus foncé. Pareil, là j'ai mis toujours sur le même côté. Et ça fait un effet très très waouh, je trouve. Alors mes petits pochoirs, hein, moi je fais toujours des petits des petites marques pour savoir quel est l'endroit et quel est l'envers, parce que sur du noir, si vous mettez un tout petit peu de blanc en dessous ou en dessus,
et que vous tachez votre noir, après ça sera fini. Donc à chaque fois, vous nettoyez bien votre pochoir avec une lingette, vous faites sécher et vous repositionnez votre pochoir. Et comme ceci, il n'y aura pas de taches sur votre noir. Eh bien, j'espère que vous aurez bien compris ma petite explication. Et je vous souhaite une bonne création avec ce petit tuto un peu rapide, mais je pense que avec la première vidéo, vous avez compris le système. Eh bien, je vous souhaite une bonne création et à bientôt aux ateliers de Myriam.